Merhaba arkadaşlar. Bu videodan önce üçüncü tekil ve çoğu şahısların eril o onlar, dişil o onlar kim olduklarına yönelik soru formlarını öğretmiştim. Bugünkü dersimizde 4 şahısla ilgili ben, sen, biz ve siz soru formu üzerinde örnekler vererek açıklama yapacağım. Salü ve Zami Avant ce vidéo, on avait expliqué les quatre troisième personnes singulier et pluriel, masculin et féminin, il, elle, il, elle. Aujourd'hui, on va étudier en donnant des exemples sur les quatre personnes, je, tu, nous et vous, en forme questionnage. Si vous êtes prêts, allez-y! Evet, hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Qui suis-je? Qui suis Ben kimim? Kimim ben? demek. Örneklere bakalım. C'est moi qui ai découvert l'imprimerie en 593 après Jésus-Christ. Devin. Qui suis-je? C'est moi Qui est découvert l'imprimerie en 593 après Jésus-Christ Devine qui suis-je Vous êtes Johan Gutenberg. Si je ne le suis pas, alors qui suis-je Si je ne le suis pas, alors qui suis-je je sais qui vous êtes, mais moi, qui suis-je? Je sais qui vous êtes, mais moi, qui suis-je? Si, moi aussi, je fais comme tout le monde, alors qui suis-je? Si, moi aussi, je fais comme tout le monde, alors qui suis-je? Si tu es le prince, alors qui suis-je? Si tu es le prince, alors qui suis-je? Evet, Ki es-tu kalıbı ikinci tekil şahıs için kullanılan bir soru kalıbıdır. Sen kimsin? Kimsin sen anlamındadır. Örneklere bakalım. A présent, dis-moi s'il vous plaît, qui es-tu? À présent, dis-moi s'il vous plaît, qui es-tu? Tu dois te demander, Carole, qui es-tu? Tu dois te demander, Carole, qui es-tu? Alors, dis-moi franchement, qui es-tu? Alors, dis-moi franchement, qui es-tu? Il est le général Trado. Et toi, qui es-tu Il est le général Turado. Et toi, qui es-tu Tu, tu n'es pas l'homme que je connais. Qui es-tu Tu, tu n'es pas l'homme que je connais. Qui es-tu Qui es-tu pour être le champion Qui es-tu pour être le champion <t 'en> Ki etvuk kalıbı hem ikinci tekil şahıs hem ikinci çoğu şahıs için kullanılan bir kalıptır. İkinci çoğu şahıs için kullanılan durumu açıktır. Siz kimsiniz? Kimsiniz siz anlamında kullanılır. Fakat ikinci teki şahıs için kullanıldığı durumlarda ya tanımadığımız bir insan söz konusudur veya ya mertebe ya derece farkı vardır. Evet örneklere bakalım. Et qui êtes-vous pour me juger? Et qui êtes-vous pour me juger? Mais non, attendez, s'il vous plaît, qui êtes-vous? Mais non, attendez, s'il vous plaît, qui êtes-vous? qui êtes-vous, Jacques et Paul? Et qui êtes-vous, Jacques et Paul? Mais plus importante question... Qui êtes-vous? Mais plus importante question. Qui êtes-vous? Vous vous opposez constamment. Qui êtes-vous? Vous vous opposez constamment. Qui êtes-vous? Evet, ki sonlu kalıbı birinci çoğu şahıs için kullanılan bir kalıptır. Biz, kimiz? Kimiz biz anlamındadır. Örneklere bakalım. Alex, qui sommes-nous pour juger quelqu'un? Alex, qui sommes-nous pour juger quelqu'un? Ils sont des législateurs. Qui sommes-nous? Ils sont des législateurs. Qui sommes-nous? Une vraie question, c'est qui sommes-nous? Une vraie question, c'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour rester sur votre chemin? Qui sommes-nous pour rester sur votre chemin? Nous avons volé et tué un homme. Qui sommes-nous? Nous avons volé et tué un homme. Qui sommes-nous? Vous êtes les gagnants. Et nous? Qui sommes-nous? Vous êtes les Et nous? Qui sommes-nous? Evet sevgili canlar, bugünlük bu kadar. Öğrendiklerinizi pekiştirmek için tekrar etmeyi ihmal etmeyin lütfen. Size daha fazla katkıda bulunabilmem için görüş ve düşüncelerinizi lütfen bana bildirin. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmanızı ümit ediyor. vidéo' de Oui chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de répéter ce que vous avez appris pour le renforcer. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne. Faites-moi part de vos opinions afin que je puisse contribuer davantage à vous. Rendez-vous dans de nouvelles vidéos. Restez avec amour.